À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves, commémorée tous les 23 juin, instituée par l'ONU depuis 2011. Cette journée vise à porter une attention particulière aux enjeux liés à la marginalisation des veuves dans nos pays. Estimée à plus de 250 millions dans le monde, elles vivent pour la plupart dans une situation d'extrême précarité, souvent aggravée par la stigmatisation et l'isolement social. Elles subissent ainsi des pratiques dégradantes et l'observation de rites de veuvage souvent inhumains. Au nom de la tradition, certaines d'entre elles perdent aussi leur identité, leurs biens et parfois même leurs enfants. Cette discrimination, à la fois sociale et juridique, réduit considérablement les capacités des veuves à subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs enfants, les condamnant ainsi à la misère. Ces constats alarmants démontrent bien l'importance de cette célébration qui nous appelle à une prise de conscience et à des actions concrètes afin de garantir à toutes les veuves une place respectée dans nos sociétés ainsi que l'accès à la protection juridique et sociale. Il s'agit en cette journée commémorative de mettre en lumière les conditions de vulnérabilité de ces femmes et d'agir pour la reconnaissance de leurs droits, notamment en leur fournissant des informations nécessaires pour l'accès à une part équitable de leur patrimoine. À l'endroit des veuves, notamment certains documents que la mairie se charge de certifier pour ces dames pour qu'elles puissent entrer dans leurs droits. Il s'agit des documents, le procès verbal de conseil de famille, le certificat d'hérédité et puis le certificat de non-remariage. Ce sont ces documents qui permettent à la veuve de pouvoir répondre à certaines demandes au niveau des services administratifs, au niveau de la caisse de retraite, au niveau de la caisse de la CNSS, et au niveau des banques aussi. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes, la plus grande partie des femmes, c'est vrai, elles ne sont pas sensibilisées, elles ne savent pas qu'elles ont des droits, bien qu'étant dans le mariage, ne savent pas exactement après le décès de leur mari
qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ces femmes qui viennent à notre niveau, on essaie de les accompagner, de leur expliquer, puisque ces documents faits à la mairie doivent être faits ailleurs, par exemple au tribunal, doivent être homologués pour pouvoir être utilisés. Bon, voilà, on les accompagne à faire tous ces documents-là. Famille à Garomington encore on a tout à bon boire et au dinagnon à tout la home et nina et n'a et n'a des et on en zizi quoi et n'yon b à osio les tours à pata à osio pata les yamé à osi go les tours à osi go les golf carte comme une mère wanya wabé tchinao mais à l'école à nos zéro. Et un petit poème, et bien, il y a un soit on m'a pas dit à mes voix, tu caras journal, non, au dina, oui, tout la home, quoi, toi, la nobe, non, ou pas ta wagna, 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 wagna,